Bonjour à tous et à toutes, c'est Génotype. Donc aujourd'hui on s'attaque à Call of Duty Modern Warfare 3. Il est gratuit ce week-end sur Steam. Donc le temps que je vous pose la vidéo, le jeu ne sera plus gratuit. Donc pas besoin d'aller vérifier. Donc voilà, début de la partie dans 2, 1 et voilà. Donc match à... non, mêlée générale. Je voulais dire match à mort. Sur la map Underground. Donc c'est des trains. C'est à Londres. Enfin à Londres. C'est en Angleterre, ça on est sûr. Donc voilà, chargement, c'est bon. Démarrage d'autres... Ah non, attends des autres joueurs. Voilà, je prends mon classe. Alors voilà. Je monte des escaliers. Ah oui, je tiens à, franchement à vous dire que je suis pas vraiment une bête à ce jeu-là. Je l'étais sur l'Xbox. D'ailleurs, j'ai jamais fini en dessous de la première place. Et c'est vrai, hein, c'est... Vous pouvez même aller vérifier mon nom de compte sur Xbox. Mais j'y joue plus, donc c'est pas la peine de m'inviter ou des choses comme ça. Donc mon nom de compte sur Xbox c'est X4ND3RG3. Je sais pas comment vous allez vérifier, mais vous y connaissez sûrement mieux que moi. Donc vous pouvez aller voir mon ratio, etc. Bah, j'ai jamais fini en dessous de premier. Voilà, je me suis fait tuer. Enfin, sur Xbox. Donc maintenant PC c'est une communauté différente, c'est difficulté différente. Aussi c'était Modern Warfare 2 que j'ai joué, qui est bien beaucoup plus facile que Modern Warfare 3. Parce qu'il y a un temps de... Il y a plus de temps pour viser, recharger je pense pas, mais viser j'en suis sûr. J'ai vu d'autres youtubeurs en faire la remarque. Tel que Diablo X9 si je me rappelle bien. Qui mentionne très bien que Modern Warfare 3 c'est beaucoup plus difficile au niveau visé. Il y a un temps d'action, donc voilà. J'ai jeté ma grenade. Donc voilà, là je vais essayer de tuer le gars là. Il passe, mais il passe pas. Voilà. Mon smoke. Que j'utilise que dans certains moments. Donc quand quelqu'un se cache ou quand il y a un véhicule aérien. Je pense pas qu'on peut les appeler aérien, enfin si, véhicule, ouais. Véhicule aérien. Ou alors ça m'arrive certaines fois, mais on va voir sur la deuxième partie et la troisième partie de ma vidéo. Enfin c'est pas en plusieurs parties, c'est le deuxième match et le troisième match, on va voir que je suis en train d'utiliser comme un gros bourrin. Je fonce partout, lance roquette sur mon épaule. Je tire partout. Je fais pas attention. Mais je pense que la première partie, cette première partie là, je pense que je l'ai pas réussi. Ouais je l'ai pas réussi. La deuxième je vais quand même être assez bon. Et la troisième aussi. Donc voilà, je descends, il y a rien. Je monte, il va y avoir quelqu'un, il me semble là. Ah non, il y a personne. C'est par là que j'ai tué. Voilà, GG à moi. Voilà, j'ai coupé mon micro quelques secondes parce que j'avais besoin de tousser, je suis malade. Donc voilà, je monte encore les mêmes escaliers que tout à l'heure. Je sors mon lance-roquette, bah voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. Je pense qu'à ma bourrin, je prends mon lance-roquette, je fais attention à rien. Même si je meurs, je m'en fous. De toute façon, l'important c'est de s'amuser. Et que les autres s'amusent. Parce que pour moi et pour plein d'autres, j'ai déjà triché, enfin pas sur Call of Duty. Mais sur des jeux où on peut en quelque sorte tricher, tel que Garry's Mod. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un espèce de jeu de construction. Enfin, c'est... Tout le monde connaît Half-Life. Ben, c'est... On a des maps préfaites. Enfin, on a juste le... Soit des petites maisons. Soit... Enfin, soit des petites maisons avec du terrain. Ou soit juste le terrain. Et on doit construire avec toutes les... Les préfabs, comme on appelait... donc les objets d'Half-Life.
On devait construire tout ce qu'on voulait. Enfin, il y avait plein de modes de jeu, c'était vraiment super. Mais là, je trichais, j'avais mis un Wallach. Mais c'était autorisé parce que c'était pas vraiment pour tuer, mais c'était beaucoup plus amusant. Donc, c'est ce que je voulais dire comme, comme commentaire, c'est que certains peuvent trouver le cheat amusant, mais ne l'utilisez pas sur des jeux comme ça. C'est marrant pour vous, mais c'est pas. Comment dire, c'est pas. Ça pourrit le jeu quoi. C'est. Tout à l'heure j'ai eu un cheat. Non, je l'ai pas filmé cette partie-là. Tout à l'heure je vais vous dire sur le chat qu'il y a quelqu'un qui a triché. Il s'appelle. Enfin, je vais pas le dire parce que c'est pas vraiment. Même s'il a pas triché. Parce qu'il a pas triché de toute façon. Mais vrai. C'est comme si on faisait de la mauvaise pub quoi. C'est comme si vous allez quelque part, vous dites hey, partout j'ai un petit peu mauvais, etc. Mais ce serait exactement la même chose. Donc je vais pas faire ça. Donc cette personne, on le verra de long, un peu plus loin dans la vidéo. Ben, j'ai l'impression qu'il a un wallhack parce qu'il sait tout le temps où on est. Apparemment, sur certains potes, il aurait tout simplement un super casque qui ferait qu'il entend très bien tous les bruits de pas. Parce que je commence à venir, le gars en une seconde il se retourne et fait un headshot. Là c'est le micro, enfin c'est le casque plus que plus allez comment dire le skill. Quoique Call of Duty c'est pas vraiment un jeu de skill. Tout le monde qui dit ouais j'ai un bon skill, je fais un 360 headshot etc. J'arrive pas à le faire parce que je joue pas vraiment à Call of Duty, mais 90% des gens qui jouent à Call of Duty savent le faire, donc c'est pas vraiment du skill. Désolé de dire ça comme ça, mais bon. Autant le dire comme ça et qu'on soit sûr. Donc voilà, je monte. Donc il me semblait qu'on était quelque part dans mes commentaires. Non, lui, j'ai pas compris, je l'ai cuté avant. Enfin, on le voit pas sur la vidéo, mais je suis sûr que j'ai. À moins qu'il y a peut-être l'atout qui fait que qu'il s'est frappé plus loin, enfin sauter 4 mètres ou je sais plus combien. Parce que je me rappelle que dans Modern Warfare 2 sur Xbox, même sur PC, il y avait un atout en pro, je pense, qu'avec le couteau, si on frappe quelqu'un de loin, enfin, on fait une espèce de saut, enfin super long et on le bute directement. Genre le gun, il a 4 mètres. Il fait le truc pour le couteau, il saute directement sur toi, il se téléporte. Ça c'est énervant. Voilà mes emblèmes. J'aime pas trop ce que ça clignote plein de fois voilà les petits signes d'une lock là. C'est embêtant. Donc là comme je suis nul, je vais prendre des trucs plus proches des petites séries de kills. Donc voilà. Ah ouais, j'aimerais qu'on m'explique c'est quoi les IMS, parce que c'est marqué élimine les combattants ennemis. J'en ai passé. Enfin, j'en ai utilisé 10. Un peu partout dans n'importe quel type d'endroit, dans une petite pièce fermée, dans une grande pièce ouverte, fermée, etc. En plein dehors, etc. Ils ont jeté des grenades, ils ont tiré, ils ont lancé des roquettes, ils ont. Enfin, n'importe quel type d'armes. Hop, oh, j'arrive pas à le dire. N'importe quel type d'armes et n'importe quel type de personnes détectables pour certains trucs, etc. L'IMS ne faisait rien, je pense qu'il indiquait seulement sur la carte, non, enfin, je sais pas, je suis pas sûr, mais je suis sûr qu'il ne tuait pas les ennemis. Je sais pas si chez vous c'est la même chose, mais pour moi il est complètement buggé, il a jamais rien fait de, il n'est pas utile. Pour moi il est pas utile. Alors peut-être qu'il y a une manœuvre à faire, je sais pas. Alors, est-ce que la carte va se lancer là? C'est quoi ça? C'est la vie de quai noir? Ah non. C'est un petit arrêt de 10 secondes de vidéo. Donc c'est bon, allez, je vais lancer un peu partout pour signaler un peu à tout le monde où je suis. Et pour en même temps voir s'il n'y a pas l'icône qui montre s'il y a des personnes de ce côté-là. Donc là je monte, il va rien avoir. Je pense que si je tombe là-dedans, je suis mort. Ah, dommage. Bien joué pour lui. Et voilà, je l'ai tué. GG à moi. Mon tout premier kill.
Pas de la partie, hein, de Call of Duty. Non, je rigole. Alors là, on m'a dit qu'il y avait un drone. Donc je le cherche. C'est pour ça que j'ai pris un lanceur. Allez, voilà. Boum. Plain shot. Plain shot. Donc on est où là? On a 10 minutes sur 30. Donc voilà, il m'a tué. Dommage. Je le cherche. Il n'y a personne. Tant pis. Voilà, ça c'est vraiment c'est cette personne-là qui me que j'ai pris pour un cheater au début, qui n'en est pas un. Là, je suis d'accord avec vous. Vous allez dire oh, ouais, mais cheat pas. Je suis d'accord avec vous. Il cheat pas à ce moment-là. Enfin, il n'a pas l'air de cheater à ce moment-là. Enfin, en tout cas, il a pas cheaté à ce moment-là. C'est pas pour ce moment-là que je le traite de cheater. C'est un peu plus loin. C'est que il va pas arrêter de camper dans cette pièce-là. Et vous allez voir que par n'importe quelle entrée que je rentre, même les entrées un peu bizarres, genre une fenêtre comme ça, mais un peu plus, vous comprendrez un peu, enfin, quand vous regarderez, il y aura une fenêtre vraiment hors du truc là, du. Ah, je me suis. J'ai pas compris, il m'a tué, c'est marqué qu'il m'a tué, il m'a pas tiré dessus, j'ai l'impression, et il m'a. Et je me suis explosé en fait, donc je me suis plutôt suicidé, et là, j'ai pas compris non plus. Je sais pas moi, il y a des snipers aussi rapides. Ouf, oh le noob. Oh that, ouf. Comme je disais, je rentre par n'importe quel type d'entrée, etc. N'importe quel type de vitesse. Ouais, je pense que. Non, c'est pas easy. Je vais vous le dire après. Quoi, non, je vais vous le dire maintenant. Je vais lui jeter deux flashs plus une grenade. Il va pas être flashé. Il va pas subir des dégâts. Plus. Il n'y aura pas de notification comme quoi j'ai tué quelqu'un. Là vous vous dites sûrement, ouais, il faut d'abord qu'on voie ça. Bah vous allez le voir après. Donc là, il est là. Et je pense que je. Ah non, c'est pas lui. De toute façon, il triche pas, hein, no stress. C'est juste pour vous expliquer un peu pourquoi je vais taper après cheater. Parce que je suis sûr que tout le monde se dit exactement la même chose que moi, enfin quand je vais vous le dire, vous allez tous être d'accord avec moi, c'est que quand c'est la version gratuite, quand c'est la version d'essai, quand c'est la version de test de Modern Warfare 3, il y a beaucoup plus de cheaters. Toutes les 5 parties, il y a un tricheur, voilà, c'est comme ça que j'ai découvert qu'il y avait une fenêtre là qu'on pouvait monter. C'est comme ça que j'ai monté même. Et voilà, je l'ai tué. C'était Niklas? Niklas? Je sais pas. J'arrive pas à lire d'ici. Voilà, là, je vais faire un plein de kills. Voilà. Flash. Flash personne. Flash personne non plus. Ah, mais tuer quelqu'un. Bam. Ah, il m'a tué. Ah oui, il y a un truc que je comprends pas, c'est que quand quelqu'un te tue sur Call of Duty, tu perds de l'argent. Je sais pas ce que tu perds, mais ça a l'air d'être de l'argent. Bon, pour le côté fun, ok, mais. Je comprends pas le rapport, l'argent, peut-être les points, le score, je sais pas. Non, je vois pas. Un drone, voilà. J'utilise. Je veux quelqu'un qui va monter dedans par le radar, voilà, il monte dedans. Je lui jette une, rien, deux, rien, trois, rien. Et hop, il est là. Magie! C'est magique! Le gars, je lui jette deux grenades. Plus, enfin deux grenades flash plus une grenade. Quand je monte, on voit très bien que ça explose sur lui. Je veux pas qu'il meure, c'est pas ça, mais il devrait quand même avoir une icône de notification quand même. À moins qu'il avait un anti-émeute dans son dôme, mais il n'en avait pas. Ou à moins qu'il avait un atout pour les explosifs.
Et même s'il en avait un, je pense qu'il aurait l'icône. Voilà, là il y a l'icône. Il est là, ça je suis sûr. Et il m'a tué, c'est dommage. Là ça m'énerve, j'y vais directement aux deux pages. Hop. Là je comprends pas, il descend vers moi. Et puis il remonte direct. Pourquoi? Pourquoi il fait ça? Tant pis. Allez, jette ma grenade. Ça m'énerve. Je fais comme si j'étais en partie, hein. C'est pas. Je m'énerve pas mal maintenant, hein. Ça stresse. Ah voilà, je suis mort. Comme une merde. Là ça m'énerve, je commence à faire tirer partout là. Bon lui, celui qui m'a tué, je vais le tuer je pense. Il a intérêt à mourir en tout cas. Non, il veut pas mourir. Il va pas mourir de moi quoi. Ah là il va y avoir une assemblée de d'hélicos. Une assemblée, une 5, 6, je sais pas. 5. Voilà, il y en a un qui est détruit. Oh le con, je me suis flashé. Tant pis. Et donc voilà, j'allais. Voilà. Grenade, ah il est là. Et je l'ai tué, bravo. Donc pour certains peuvent avoir remarqué que ma voix a différencié d'avant. C'est parce que j'ai eu un petit bug, j'ai oublié de remettre mon micro sur on. Et oui, c'est con. Et voilà. Donc, je dois recommencer là maintenant. Je sais plus vraiment où j'étais dans mon ancien. Enfin, comment t'as oui. Ah, là, il m'a tué avec son hélicoptère. Voilà, nouvel emblème. C'est bon. Alors, le nouveau, l'ancien, l'ancien. J'ai débloqué des choses avec l'ancien, donc je vais prendre l'ancien. Voilà, c'est où le Scar? J'ai toujours bien aimé le Scar. Ouais. Donc voilà, je vais sûrement prendre Doom. Alors, je me suis dit casque. Comme je l'ai dit tout à l'heure, je l'ai pris pour un cheater. Même si ça n'était pas un. Voilà, donc ça a commencé. Zéro. Dôme. Renseignement. Un colis stratégique est un largage aérien qui récompense par un. Ah, je passe tout ce lire. 3, 2, 1, c'est bon. Alors, je sais pas si je vous posais la question du IMS, parce que moi, voilà, je l'ai posé ici à droite et là dans le coin. Donc voilà, sinon, le jeu niveau qualité. C'est pas vraiment. C'est pas vraiment extraordinaire. C'est pas de la merde non plus. Donc là, on va passer à la deuxième partie. Enfin, la deuxième partie là. Là où je m'étais arrêté tout à l'heure. Le nouveau Counter-Strike est mieux, quoi. Donc. Voilà. Donc, où on en était? J'ai eu un petit problème. Donc, je vais regarder le minute qu'on est là. On est à 19h38. Voilà, je vais mettre à 19h42, on va rester en même temps. Bon, on est plus ou moins en même temps. 49. Allez, j'avance quelques secondes, allez.
Voilà. Voilà donc. La kill cam, ok. Je me suis trompé, j'ai cliqué sur Sony Vegas pour avoir un zoom parce que je me sens que j'avais un bug avec mon micro. Et je me suis trompé, enfin je voulais faire avec Audacity et j'ai fait sur Sony Vegas et ça fait que ça a changé de scène. Donc je suis tombé à, je suis passé de 24, non, je sais pas moi, 20 minutes jusque non pas 15, 9. Donc là ouais, je mets mon colis, j'essaie de le tuer mais j'arrive pas. Voilà. Mort par caméo. Donc, allez, il y a un bug vidéo. Caméo, c'est une personne qui vient que je connais, enfin que je connais, qu'on s'est rencontré, qu'on va bientôt devenir amis. Et ça risque qu'il y ait des dual commentary en anglais. Donc, je suis pas vraiment très très fort en anglais, donc ce que je vais faire, je vais commenter le jeu en français, le décortiquer un peu et parler avec lui en anglais. Donc, comme je disais tout à l'heure, là. Niveau graphisme, pour moi Counter-Strike est meilleur. Enfin, pas source, hein, Global Offensive. Quoique, enfin. Ça a deux qualités différentes. C'est plus plastique pour Counter-Strike, et ici c'est plus. Je sais pas comment on va dire ça. Enfin, bon, bref, on laisse tomber, c'est. Ce que je veux dire, c'est que c'est pas extra, mais c'est quand même bien. Enfin, c'est toujours le même moteur. Enfin, tout le monde l'a dit ça. Toujours le même moteur que Modern Warfare 2. Par contre, les sons sont extrêmement horribles. Ils ont gardé les mêmes que Modern Warfare. Donc, je sais pas ce qu'il a fait le. La personne de d'Infinity Wars qui gère le son. Je pense qu'il a rien fait pendant toute l'année qu'ils ont fait Modern Warfare 3. Je parle pas des musiques, hein, je vous parle du son du. Des flingues, des armes. Là, c'est les certains peut-être qui vont peut-être dire non, c'est faux, etc. Mais c'est vrai. On est 20 personnes et encore. Enfin, ouais, on est 20 personnes dans ma liste d'amis qui m'ont dit exactement la même chose. C'est pour ça que je leur dis parce que c'est peut-être un commentaire à faire. Donc, on a fait le son, la campagne je l'ai pas vraiment testé, je l'ai testé le début, j'ai bien aimé. Niveau est-ce qu'on peut l'acheter, enfin ça vaut de l'acheter. Bah, si on n'a pas Modern Warfare 2, oui ça vaut l'acheter Modern Warfare 3. Par contre si on l'a, il n'y a pas vraiment beaucoup de nouveautés, à part une grosse nouveauté, enfin pour moi, que j'ai vraiment adoré, c'était. Je sais plus comment ça s'appelle, c'est le mode survie, je pense. Enfin, c'est une espèce de mode survie. Parce qu'y a une vague d'ennemis qui arrive. Enfin, des vagues d'ennemis qui arrivent. Là, il y a une erreur. Ah, voilà. J'avais une erreur de vidéo qui notait. De shutter, comme on appelle ça. C'est comme ça qu'on appelait. Enfin, qu'on appelle toujours. Donc voilà, vainqueur de mêlée générale, je pense que j'ai fait 5 ou 10 victoires sur la mêlée générale. Ou c'est peut-être plus, je sais pas. Vous connaissez sûrement mieux que moi. Si vous avez rejoint cette vidéo, c'est que vous aimez bien Call of Duty et que voilà. Moi je suis plus Battlefield, mais bon. Je sais pas vraiment. Comment dire. J'ai pas vraiment détesté Call of Duty parce que j'aime bien Battlefield. Enfin, je suis pas. Voilà quoi, c'est pas. Parce que j'aime bien Call of Duty, que j'aime pas Battlefield, que j'aime pas Battlefield. Ah! Que j'arrive. Que j'aime bien Battlefield, que j'aime pas Battlefield. Call of Duty, enfin, etc. Ce que je veux dire, c'est que. Il y a plein de kick ou lol, comme ça qu'on les appelle, un peu partout dans le monde. Surtout à l'école, ou n'importe où, n'importe quel type. Ils ont pas testé Battlefield, ils le détestent. Ils ont même pas regardé une vidéo, ils le détestent. Ils ont même pas. Ils connaissent rien Battlefield. Pour eux, c'est de la merde. C'est plutôt la mentalité des. Enfin, des.
C'est pas vraiment de tout le monde, je vais pas mettre tout le monde dans un panier. C'est ce qu'on appellerait un raciste. En tout cas, c'est pas vraiment. Enfin. Non, c'est pas la moins bonne des communautés, non, c'est une bonne communauté. C'est juste que niveau. Jugement, il devrait quand même augmenter un peu. Je vais pas dire que je suis meilleur qu'eux, etc. C'est pas ça, c'est. Je dis ce que je vois, quoi. Je dis pas ce que je suis. Voilà. C'est comme tout le monde, ça. On dit les défauts des autres, mais on cherche pas les siens. C'est comme ça, mais voilà. Donc c'est comme ça. Il y avait un autre problème. Tiens, je crois du shader. Shader, je sais pas comment ça dit. Ah, tant pis. Voilà, je l'ai tué. Je sais pas si on est au même moment, moi je suis plus ou moins à 26 minutes 3. Je vais regarder sur mon. Ah ouais, il faut que je descende de quelques secondes. Sur ma. Voilà. Ah voilà, peut-être ça. 26, 17, 18, 19. Ouf, on est passé beaucoup plus loin là maintenant. Voilà, 29, 30, 31. Ah voilà, c'est tout juste pile. J'ai plus à changer du tout, c'est parfait. Donc, il y avait un truc que je devais dire. Non mais c'était. Attendez. Je me juge pas moi, enfin je juge les défauts des autres, etc. Ah oui, la plus mauvaise des communautés que j'ai jamais eue. C'est Need for Speed The World. Et là, je mets tout le monde dans le même panier. Et je dis pas que tous les joueurs sont mauvais. J'ai joué au jeu, j'ai bien aimé. Enfin, je vais pas dire que c'est la communauté du jeu, c'est la communauté du jeu vidéo.com de Need for Speed The World. Désolé de dire ça, mais c'est une merde. Je fais une pub. Pour ma chaîne, comme tout le monde fait des pubs, etc. Il y en a un qui lâche on veut pas de ta pub. Donc ça m'a vraiment fait rager, mais bon, ça on s'en fout. Puis un autre qui commence à chanter, je sais pas pourquoi. Enfin, il met une parole de chanson. Après, je lui dis ta gueule. Vous avez compris. Et il y en a un autre qui me lâche. Tiens, faut que je retrouve. Génotype, toi ta gueule. Arrête de. Un truc comme arrête de rager quand on dit la vérité en face. Quelle vérité? Qu'on ne veut pas de ma pub? On a le droit de mettre sa pub partout où on veut. Quoique je dis pas comme si tout le monde mettait sa pub, c'est vraiment chiant, mais bon, y a pas des topics partout. Je dis pas comme c'est là où on peut faire ses pubs, quoi. C'est un bon endroit. Et comment dire? Donc comme je disais, j'ai eu 2.com, ouais. C'est moi qui rage, alors que le gars, il commence à me. Ah, je sais pas comment on va dire ça, c'est vraiment. C'est comme si vous achetez un nouveau. Je l'ai pas acheté, mais c'est un exemple. C'est comme si vous achetez un nouveau jeu, j'imagine. Nouveau GTA, voilà, vous achetez le nouveau GTA. Vous êtes bloqué dans un chapitre. Vous demandez. Non, on va pas dire vous bloquez dans ce chapitre. Vous êtes le seul qui a une bonne config. C'est pas le cas que je suis le seul qui a une bonne config, mais c'est un exemple. Vous êtes le seul qui a une bonne config. Vous voulez faire une vidéo et tout. Voilà, vous avez fait la vidéo. Elle est pas mal. Moi, personnellement, je pense que j'ai fait un fail pour. The World, donc je vais le recommencer sûrement plus tard, mais on va dire qu'elle est pas mal. Vous faites la pub, vous êtes content, vous avez pris un jour à uploader, puis on dit on veut pas de ta pub. Tout le monde dit des trucs bid 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 bid, commence à chanter des trucs un peu bizarres. Et quand enfin, vous énervez légèrement, vous dites ta gueule quoi, c'est pas vraiment. Enfin, si c'est quand même méchant, mais il y a tout le monde qui vous dit ta gueule quand vous. Enfin, pas quand on vous dit la vérité en face, tout le monde dit pas ça, mais.
voilà quoi, c'est pas vraiment une bonne communauté. Alors y a personne qui est venu dire ta gueule aux autres gens ou n'importe quoi, donc pour moi je mets tout le monde dans un même sac, tout le monde est dans le même panier. Donc pour ceux qui jouent à Need for Speed World, qui a déjà été sur jeuxvideo.com et qui n'est pas de ce type là, ce type de personne, qu'il me le signale. Comme ça, j'aimerais savoir si tout le monde est comme ça ou pas, si je ne pas comme. Enfin, pour Need for Speed World, parce que pour les autres, je connais, ils sont sympas. J'ai fait de la pub pour d'autres façons, d'autres forums. Ils ont dit, je vais aller voir, merci, est-ce que tu peux aller voir ma chaîne? J'étais d'accord, j'étais voir leur chaîne, etc. J'étais m'abonner ou pas. Enfin, sont j'aimais bien ou pas, enfin, ils sont gentils. Mais sur Need for Speed de World, c'est les pires. Je dis pas que. Enfin, si, j'ai dit que c'était les pires, mais. Après ce que j'ai vécu, j'ai. Enfin, j'ai quel âge maintenant? Ouais, j'ai plus ou moins 16 ans. Ça fait plus ou moins 6. Entre 4 et 6 ans que j'étais sur jeuxvideo.com. J'ai été sur. Plus ou moins 100 forums. Et c'est le pire. Donc voilà. Je le dis comme ça et c'est bon. Voilà, je l'ai tué. Ah dommage, je suis mort. Ouais, je joue comme un Kikoulol. Je l'avoue. Ah, j'ai été tué. Bon, le gameplay va s'arrêter. Le gaming live va s'arrêter, donc on se dit au revoir. Merci d'avoir regardé. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Et n'hésitez pas à vous abonner. Au revoir.